Sancho. Super. J'espère que vous avez tous apprécié vos activités de ce matin. C'est pas grave si vous avez pas aimé. De toute façon, ça, ça compte pas. C'est l'apéro de la non-stop. Le plus important, c'est ce qui arrive maintenant. Là, c'est le plat de consistance. C'est le spectacle de la non-stop. Mais bon, avant de commencer, on va laisser la place à quelques artistes parce que nous aussi, on peut montrer que le collège, c'est bien plus. On va commencer par accueillir sur scène un trio. On aura au synthé Océane, ensuite derrière moi vous aurez Kanesha au chant, et ensuite vous aurez leur ami au batteur, qui n'est pas un élève à Saint-Maurice, mais bon, c'est non-stop ouvert pour tout le monde, alors il est bienvenu ici. Je vous souhaite un bon spectacle et je vous laisse écouter leur chanson. Mais qu'est-ce qui est bizarre? Bah, tous ces profs qui ont disparu.
Bartlet, Erard, Buche. Et monsieur le recteur? Ah ben, ils sont peut-être tous malades, hein? Oh, t'es bien naïf. Ils sont plutôt en burn-out en même temps. Ils sont naïfs comme toi, je les comprends. Mais on a besoin d'eux pour passer notre matu? Ouais, je refuse de faire une année de plus ici, dans ce bâtiment traditionnel et dynamique. Faut enquêter! D'accord, Sherlock. On commence par quoi? J'ai une idée. Suivez-moi. Cher public, veuillez accueillir avec une réjouissance des plus extrêmes un homme ayant la capacité de passer son cours à ne pas donner son cours. Un homme champion international de duel de proginette. J'ai nommé Thomas Projean. Quand même, tu dois faire un petit ajustement. Ouais. Ah, là on est mieux. C'est quoi ce cirque? Mais tu le connais? Plusieurs légendes courent à son sujet. Par exemple, le premier voyage, Martin et Saint-Maurice, en pédalo. Passer Colomb, j'étais le plus difficile. Difficile. Ou bien il aurait réussi à passer un cours complet en apportant une seule et unique proginette. Stop! Laissez-moi vous lire la définition de ce mot saugrenu qu'est le mot proginette. Le mot proginette est un nom féminin désignant une anecdote n'ayant peu, voire aucun rapport avec le sujet initial de la discussion. Et, par extension, cela signifie toute chose n'ayant aucun rapport avec un contexte donné. J'en profite pour vous donner la définition également de cet autre mot qu'est le mot proginerie. Un nom féminin désignant une complication involontaire d'une tâche, car on essaye de résoudre les choses par un autre moyen que la solution de facilité. Et donc, par la philosophie de Projean, cela signifie de prendre le chemin au lieu de la route. Il aurait même bidouillé le meilleur labo de physique du monde avec de simples puces qui rebondissent en MC humain. Moi ? Mais c'est incroyable tout ce que vous savez sur moi. On pourra en écrire des annales, des encyclopédies et même des petits fascicules. Du coup, on le torture pour avoir des infos ? Attendez, je crois me rappeler de la torture qui lui a infligé un coup de droit dans les oreilles. Faisons-lui écouter du rap. Oh non, 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 ça sera affreux ! Non ! Non, non, moi je tiens mes petites oreilles. Non, faut trouver quelque chose d'autre. Ah oui, 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 je vous propose un duel. J'imagine qu'on n'a plus le choix. Reverse! Les règles sont simples comme bonjour. Bonjour. On va faire ça en trois rounds, une proginette par round. Vous me dites simplement si elle est vraie ou si elle est fausse. Bien évidemment, vous suivez tous mes cours et vous savez tout ce que vous avez fait vos 30 minutes de maths quotidiennes, n'est-ce pas? Non. C'est pas bien ça, c'est pas bien. Mais allez, ça peut être marrant, non? Allez, avant de faire ça, vous avez des questions? Les armes sont permises? Non, 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 non. Et pourquoi on ferait ce duel ridicule avec vous? C'est pas moi qui ai besoin de ces informations sur les profs disparus. Merde, il a raison. Ah, commençons. C'était il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Ah, ça c'est l'introduction de Star Wars, je reprends. Je venais de m'acheter une nouvelle voiture, genre, wow, la voiture trop bien. Simple question, c'était quoi comme voiture? Ah, c'était une Renault Zoé. Ouais, je sais, vous attendiez une Ferrari ou un de ces vaisseaux spatials multifonctions. Mais moi, j'étais fier de ma petite Zoé. Une fois, j'étais sur la route et je vis un motard arriver en face de moi. Il avait sûrement mal appris ses équations de MRU. Et je sais ce que ça veut dire, mouvement rectiligne uniformément accéléré.
Ah, je croyais que c'était mon recteur, un amour. Ouais, ça va pas bien. Oh, la plèbe. Vous allez pas m'encrasser comme ça, hein, parce que c'est mon anecdote, hein, c'est moi qui parle. Alors, on était... Ah oui, le MR. Donc, je vois le motard arriver. C'était sûrement un Savoyard. C'est toujours la faute des Savoyards, de toute façon. Et puis, il arrivait, il allait foncer contre un camping-car. Alors j'ai dû vite réfléchir en bref physicien sur ma vitesse de freinage, mon accélération, comment éviter ce drame. Et j'ai vu trois possibilités. Petit 1, commencer par tourner à gauche afin d'essayer d'éviter le camping-car. Problème, il y avait une voiture qui arrivait en face. Petit 2, aller tout droit et ben, croiser les droits pour pas prendre le camping-car. Ou petit 3, sortir de la route, grave erreur, et faire un vol plané avec ma voiture. Kaboum! Et bah, j'aurais perdu ma dulcine, je veux dire ma voiture, et je serais à clamer un euro pour mon sacrifice. Alors, la dernière semble impossible, il y aurait beaucoup trop de séquelles. La première semble plus probable, et les deux autres sont fausses. Tout est faux, tout est faux. C'est toujours les Savoyards, de toute façon. Ils dépassent dans les tunnels, c'est fou furieux. C'est l'antéchrist sur route. Et ça recommence. Faudrait pas les laisser avoir le permis de conduire. Faudrait tous les envoyer chez Meillard Auto-École. Eux, au moins, ils pourraient s'occuper de ces gars désespérés. Excusez-moi, je faisais un réflexe avec les Savoyards. Passons à la prochaine trottinette. Ok, bon, cette fois, on se concentre en répondre. Laissez-moi ressasser mes souvenirs. Oh, celle-là, je l'aime bien. Oui. Une fois, pendant un de mes cours, j'ai eu froid. Mais c'est incroyable! Je crois que c'est vrai. J'en avais pas commencé. Non, en fait, ma femme m'avait dit « Mets pas ta chemise aujourd'hui ». J'ai pas compris pourquoi, hein, en même temps, c'est ma femme, vous comprenez, elle aura toujours raison, ça sert à rien que je discute avec elle. Et puis, bah, j'ai pas mis ma chemise et j'ai chopé froid. Mais bon, un élève m'a proposé de ramener le lac Léman à Saint-Maurice. On avait fait ça en physique, c'est plus chaud au bord des côtes. Je vous passe les détails, non pas que j'ai la flemme de vous raconter. Ça serait mal me connaître. C'est plutôt mon souci d'avancer. Mais enfin, ça m'a permis de rebondir sur pourquoi on a une falaise à Saint-Maurice. Vous savez ça? Non. Ah. Un élève m'avait proposé peut-être que quand Dieu était en train de creuser Saint-Maurice, il a vu le corps de Saint-Maurice et il s'est dit « Oh, mais c'est joli ça, les saints, le Maurice. Oh, on va s'arrêter là, on va pas aller plus loin. » Non, c'est pas ça. Mais ça aurait pu être marrant, par contre. Non, c'est une histoire d'une source d'eau chaude à la baie. Je vous passe les détails. Les blocs erratiques, pas erratiques, sont ralentis. Puis frottement. Mais enfin, bref. Est-ce que vous pensez que j'ai pu passer d'avoir froid en cours à expliquer la falaise de Saint-Maurice? Attendez, faut qu'on se concentre, comme ça on se profite pas. Vous savez, ne devriez pas prendre autant de détours et de chemins de réflexion. Suivez l'autoroute du savoir. Elle a été conçue pour vos petits cerveaux, après tout. Le chemin qui mène à la réponse n'est-il pas 100 fois plus beau que la réponse elle-même? Ils prend pour un philosophe, maman? Eh mais les gars, ce serait quand même vachement teinte si ça s'était vraiment passé. Aïe, aïe, aïe. N'ont-ils pas compris qu'avec Prochain, tout est possible? Vous croyez pas c'est faux, c'est beaucoup trop farfelu. Dommage, parce que c'était vrai. Et d'ailleurs, depuis ce jour, je me suis juré de toujours garder ma chemise. Au pire, si j'ai encore froid, je pourrais toujours mettre la soutane. D'ailleurs, j'ai entendu que Lee Nyshitz avait fait une chanson à ce sujet. Je crois que c'est la seule chanson de jeune que j'aime bien écouter. Fous ta soutane, des pieds en noir dans les couloirs, fais ton Batman. Fous ta soutane, fous ta soutane, chanson profane avec un chalman. Fous ta soutane. Quel BG
juger quand même celui qui a fait ça. Enfin, passons à la dernière progénète. Mais bon, comme vous avez rien trouvé de juste pour l'instant, je vais avoir un peu pitié de vous en faire une. Ça semble mal parti pour les élèves. Bon, je me demande de quoi va parler Progin pour la suite. Je vais vous parler de l'histoire du bout de bois que l'on en a maintenant. Mais non, mais pas ce machin! Moi, je veux un vrai machin, un bon gros gourdin comme on les aime! Ah, ça, c'est un bout de bois! Pas un petit cure-dent pour savoyard mal luné! Non, ça, c'est du bon! Mais enfin, vous trouvez quand même pas ça dingue que depuis le début de l'humanité, quand on voit un bout de bois par terre, on se dit pas « Oh, le gentil petit bout de bois !» Mais on se dit plutôt « Oh, il y a un bout de bois !» Non, non, un bâton. Un bâton comme d'en battre. Parce qu'un bâton, ça sert à battre les gens. Excusez-moi, est-ce que vous pensez que j'ai pu parler de battre des gens avec un bâton en place? Je crois que j'ai saisi le truc. Ce prof est tellement loufoque que il ne faut pas qu'on se fie à notre intuition. Forcément, si on pense que c'est vrai, ce sera toujours faux. Alors je pense qu'ils ont déjà parlé en classe. Excellent, excellent, c'est vrai. Un sur trois, c'est quand même misérable comme score. En même temps, quand vous faites même pas vos 30 minutes de maths quotidienne, je peux comprendre. Bon, j'ai un peu de pitié pour vous alors. Je vous conseille d'aller voir Francis. Lui, il va vous aider. On a perdu tout ce temps pour rien. Non, c'est pas grave. On va se parler avec Hiro. Allez, allons-y. Hop, 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 les enfants. J'ai une dernière petite progénette pour vous. Enfin, je devrais pas vous encrasser avec ça. C'est que vous avez quand même mieux à faire. Enfin bon, elle est marrante celle-là alors. Est-ce que je vous avais déjà raconté que j'avais déjà vu un scarabée participer à Tierzinal? Oh. Ah, pourtant, c'était joli. Plus avec tous ses copains sur son dos. Mais bon, il n'a pas gagné. Bon, monsieur, c'est pas qu'on ne veut pas rester, hein, mais c'est que là, on doit y aller. Salut. Je crois que j'y vais complètement fou. Allez, parlons-nous vite avant qu'il commence à nous raconter une autre de ses clarinettes et je ne sais quoi. Clarinette? J'ai entendu clarinette? Mais moi, je joue de la clarinette. Vous voulez que je vous explique comment ça marche? De la ville de Saint-Maurice. Oh, je sais, je sais. 11, sans compter les chanoines. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Deuxième question. Quelle est la superficie au kilomètre carré près du canton de Valville? Bon, attendez, mais ce serait pas 27,493 périodiques kilomètres carrés? C'est toujours faux, c'est toujours faux. La suite, une question plus simple. Quelle est la capitale de la Suisse? Oh, je l'aime! Vous êtes pitoyable. Et si on lui donnait des cailloux en échange d'informations? Oh, de la corruption! Oui, j'aime bien cette idée. Hé, monsieur. Oui, c'est Ben Roche, là. Là, c'est de la molasse, une roche détritique, qui est un sous-ensemble de... Des roches sédimentaires, exactement. Et là, c'est du gneiss. Ah oui, une belle roche métamorphique. Et si vous les voulez, vous savez quoi faire.
Bon, allez voir William. Merci de votre collaboration. Allez, on sait qui est notre prochaine cible. C'est un jus de bois alors que c'est un jus d'orange. Eh ben, je suis assis sur mon parpaing, au milieu du terrain, en train de siroter un jus d'orange. Ça, je crois qu'il l'avait déjà remarqué. Ah bon? On l'avait presque remarqué. Qu'est-ce que je disais? Non. Qu'est-ce que vous voulez, mes petits lapins? Eh bien... Arrêtez de faire semblant. Vous savez très bien ce qu'on veut. Bon. On va passer aux choses sérieuses. Si vous voulez savoir ce qui est arrivé à Buch, Erard, Markley et Inaichen, il va falloir vous battre. On va s'affronter sur plusieurs sports. Et il va falloir gagner une seule partie et on vous dira ce qui est arrivé. Du fandin, j'ai rien d'autre. Je... pour appliquer ces équations, mais la machine que j'ai utilisée était de très mauvaise qualité, c'est pour ça que ça a foiré. Et donc les profs se sont retrouvés chacun dans des époques différentes. Quelle hypocrite! Il ne veut même pas avouer que...
il a misérablement oublié un mois. Mais ne vous en faites pas. Je vous charge de la mission d'aller les retrouver. J'ai cherché la machine. J'ai juste allé la brancher. Hop. Plouc. Et maintenant, il faut que je mette la petite capsule. Vous êtes prêts à voyager dans le temps? Allez. Non. Oui, si. Allez, c'est parti. Oh mon Dieu! Ah, les élèves sont enfin partis dans le passé. On va enfin pouvoir commencer à vraiment partir dans le sujet de cette non-stop. Est-ce que vous avez hâte? Mais bon, avant de poursuivre, on aimerait faire revenir notre trio avec quelques petits changements pour leur deuxième et dernière chanson. Donc, Océane, qui jouait au synthé avant, va maintenant jouer à la guitare, mais ce n'est pas le seul changement. Aussi, avant, vous avez écouté une chanson qui était un peu plus upbeat, mais maintenant, vous allez écouter Happier Than Ever de Billie Eilish. Donc, ceux qui connaissent la chanson voyez très bien le fait qu'au début, ça c'est lent, et au final, à la fin, ça explose avec la batterie, donc... Je vous laisse voir ça et bonne écoute. Bye.
voir ce fameux voyage dans le temps. C'est quand même le thème principal de cette non-stop, hein. Mais bon, on va pas se mentir, on a tous failli s'endormir pendant les proginettes de Progin, hein. C'était un petit peu long, hein. Mais bon, on va enfin pouvoir voir où sont arrivés les profs dans le temps. Et je pense que vous vous demandez tous, mais qui est le premier prof qu'on va voir dans le passé? Eh bien, c'est Monsieur Marclay. Juste par curiosité, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont Monsieur Marclay dans la salle? Ok, bah, je pense qu'ils pourront confirmer ce que je vais dire maintenant, mais pour ceux qui l'ont pas dans la salle, parce que, évidemment, ça serait un miracle d'avoir tous les profs dans son collège, mais... Monsieur Carlet, Monsieur Marclay, c'est un peu comme Monsieur Progin, c'est ce genre de l'espèce des profs de sciences avec un... Déjà maintenant? Ah ouais? Ah, bah, je vous laisse voir alors. Bien. Automne 1908. Dans les 12 journées, Monsieur Marclay a décidé de retourner dans le pays que ses parents lui ont compté durant toute son enfance. N'est-ce pas, mignon? Merci, Willy. Facilité scénaristique assumée, hein? Bon, j'aime bien la compagnie, mais pas celle des morts. Bon, ça répond, un cocon? Bon. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Monsieur Schnutzel, vous êtes prié de vous rendre le 13 janvier 1908 à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne pour examiner une séance d'examen. Bon, si cela ne va pas, moi, j'y vais. J'ai toujours une certaine fibre artistique. Allons-en! Allons-en. Mortifère de ce dangereux personnage.
Cela serait-ce la cause réelle de tous ces agissements? Le petit Dolphy n'avait pas été accepté aux Beaux-Arts, car son examinateur n'avait pas été venu. Cela se reproduira-t-il? Pardon, Simon. Simon, je pensais pas te trouver à Catherine de Médicis. Monsieur, enfin, gros problème. Ah, un autre germanophone à Vienne. Quelle surprise. Ah, hein, vous ne touchez pas à la sorte. Je refuse. Voilà, tu doux le loup. Je comprends pourquoi il s'est fait refuser. Il faut établir un plan. Monsieur, vous devriez laisser cette élève tranquille, je crois. Simon a raison. Il n'a peut-être juste pas compris la consigne. Ah, ok, je comprends mieux, je comprends mieux. Tu vois ça, Lisa? Tu sais ce que c'est? Un quatrillage, je suppose. Eh non! C'est une sonnerie! Dilin, dilin, dring, dring, en fait, parce que. Départ Calamar. Vous voyez, Marc a été assez pressé aujourd'hui. Il ne voulait même pas me laisser le temps de finir mon speech, mais bon. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Maintenant, on va de nouveau ajouter un artiste. Cette fois, ça sera Océane. Oui, toujours la même qu'Océane avant. C'est un vrai couteau suisse musical. Elle peut faire tous les instruments. Elle va jouer au piano, pour vous, le thème principal de Interstellar. Donc, on reste dans cette idée science-fiction, voyage dans le temps, voyage dans l'espace, etc. Et ensuite, ce morceau de Interstellar, elle va l'interpréter dans une ambiance un peu presque cinématographique. Vous verrez les lampes, ça sera quelque chose de vraiment très beau. Alors, je vous laisse lui faire un tonnerre d'applaudissements et je vous laisse voir ça. Thank you.
Marclay est encore tourné dans le présent, on peut passer au prochain prof. Ou devrais-je plutôt dire au prochain duo de profs. Et oui, maintenant on va passer à Erard et Buche. Donc, qui sont Erard et Buche? Disons que Erard, c'est un peu comme Hiro, on est obligé de faire une non-stop avec Erard et Hiro. On ne peut pas ne pas faire, sinon c'est pas une vraie non-stop. Comment vous dire, qui est Madame Erard? Madame Erard, c'est, pour résumer, ça ne vous étonnerait pas si elle finissait dictatrice du collège un jour. Vous savez, elle s'est forgée cette image de prof agressive envers ses élèves, mais je pense que moi je la comprends. Et je pense que si je vous donne la raison, moi, vous aussi, tous dans la salle, vous allez comprendre pourquoi elle est autant agressive envers ses élèves. Je veux dire, elle doit supporter tous les jours des classes de latinistes. Moi, sa place pèterait un plomb. Hein. Mais bon, heureusement, avec, on a Madame Buche. Madame Buche, elle est là, elle est pour contrebalancer. Elle n'est pas autant violente que Madame Erard, mais elle est plus dans l'idée de raconter sa vie, de dire... D'ailleurs, elle vous a déjà parlé de son mari ou bien de son accouchement? Donc voilà. Et où est-ce qu'on les a ramenés dans le temps? Disons qu'on les a ramenés à la maison. On les a ramenés à l'Antiquité. À la Rome antique. Allez, je vous laisse voir ça. Ma tentative de coup d'État au collège de la Royal Abbey de Saint-Maurice a échoué. Mais attention les vélos moteurs, on vient profiter de ce voyage à Rome antique pour consolider mon pouvoir. Vous et moi, Sandrine, nous allons former un triumvirat. Et grâce à notre armée, nous retournerons dans le présent pour combattre Alexandre. Dois-je te rappeler, Geneviève, que triumvirat, ça veut dire trois hommes et non pas femmes qui prennent le pouvoir? J'ai comme l'impression que pour l'instant, on ne coche aucune des trois cases. Prendre le pouvoir, j'en fais mon affaire. Ce sera facile. Si la question du genre te pose vraiment un problème, on appellera ça un triomphe féminin. Pour ce qui est du nombre, le troisième ne sert jamais à rien. Il se fait toujours zigouiller avant les deux autres. Parfois à cause des deux autres. Voire pas les deux autres. La preuve, tout le monde connaît Jules et Pompée, mais personne ne connaît Brutus. Crassus, parce qu'il s'est fait zigouiller. Le deuxième, Antoine et Octave, ce sont des stars. Mais Lépide, personne ne connaît son nom. À part les pauvres élèves qui se farcissent latin grec au collège, bien sûr. Je peux être la troisième si vous voulez. T'es qui, toi? Tu viens d'où? Moi c'est Julia, je viens du palais. Je crois que ma mère m'a assassiné. Enfin, faut dire qu'ils sont tous fous dans ma famille. En tout cas, tu tombes bien. On avait justement besoin d'une troisième personne, n'est-ce pas? Oui. Parfait. Je vais parler à Jules, et s'il refuse de nous aider, je sors ma Kalachnikov et on zigouille. Même si Brutus a déjà prévu de le faire. Avec un couteau. 36 fois. C'est plutôt violent, ça, non? Oui, mais c'est qui, Jules? Poche! Mais je suis le narrateur! Vous n'êtes pas censé me voir! Je fais ce que je veux! Tous des malpolis, ces Romains. Je me sens vexée. Ah, je vous le fais pas dire. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé de mon accouchement. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sûr qu'on est retourné dans le temps à l'époque de Jules César? Non, parce que ça ressemble vaguement à l'incendie de Rome, tout ça. Oh, ça! Ne vous inquiétez pas, c'est juste mon neveu, Néron. Il adore faire brûler des trucs. Je crois qu'il va être un peu pyromane sur les bords. Vous avez dit que ma famille était pas nette. On est revenu à Rome sous le règne de Néron. Enfin, le règne, il a que 5 ans. Hein. Si vous ne voulez pas rôtir, je vous suggère de courir. Oh, je m'aime des coups. Oui, c'est culturel. Mais Sandrine, on se dirige vers le Lupana. Je vais être dictatrice, moi, parraine des péripatéticiennes. Il s'en est fallu de peu. La vie afin de rétablir la paix dans la cité. Vous dites que vous
voulez devenir dictatrice, alors? À titre provisoire, bien sûr. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Dis-moi, Geneviève, es-tu sûre que c'est une bonne situation, dictatrice? Mais vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est tout d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est parce qu'ils me disent que les hasards, les rencontres, forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste parfois, on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui nous aide à avancer. Alors, ce n'est pas mon cas, puisque bien au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie. Je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, lorsqu'aujourd'hui, on me demande, mais Geneviève, comment fais-tu pour avoir une telle humanité? Eh bien, je leur réponds, je leur dis tout simplement que c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à devenir dictatrice, et demain, qui sait peut-être, à me mettre au service de la Royale Abbaye de Saint-Maurice, à faire le don de soi. Mais n'oubliez pas, Carthage doit être détruite, Carthago Deleta S, et tac. C'est enfin fini. Je me demande qui dans toi ou les autres capitales fait le plus de bruit. J'en perds mon accent. Et là, c'est le moment où on m'applaudit. Tous les conquises, hein, mais sous tous les sens du terme. You were gonna talk to me in a real world, but you better try.
I think I love her. She's so bad as Brandy, and I don't care. She ride me like a roller coaster. Turn the bitch into a puppet. Her love is like a drug. I try to heal it up. Couldn't work my lead. My muscle got my mess around the gun and it. So you wanna play? C'est Marley, Erard et Buchy sont repartis, mais bon, juste là, petit intermède, le Martelet va se transformer en cirque pour vous. Et oui, vous allez avoir la chance de découvrir l'ambiance des cirques des années 1900. Les hommes troncs, les femmes à barbe, les nains, et puis les siamois. Mais bon, c'est pas ce qu'on va avoir aujourd'hui. Non, faites place au duo Néo de Chara.
Bon spectacle pour leur numéro aérien. Se vanter d'avoir un numéro de cerceau aérien. Bon, je crois que je m'enorgueillis un peu trop hein, là. Ah oui, les profs. Et il nous reste un prof encore à découvrir. Juste pour voir si vous suivez. C'est qui? Ah, Ination, oui. C'est un peu la cerise sur le gâteau, si la non-stop était un gâteau et monsieur le recteur une cerise. Mais bon, je veux dire, monsieur Ination, on n'a pas besoin de le présenter, vous savez tous qui c'est. On le voit, enfin on sait qu'il est là avant même de le voir. On reconnaît cette voix suave et mélodieuse. Quand vous entendez Monsieur Raphaël, j'aimerais vous voir par rapport à votre mail. Vous savez qu'il y a quelqu'un de bien dans les environs. Mais bon,
Concernant l'époque où on l'a renvoyé, je vais pas trop vous dire, je vais vous laisser la surprise, laisser découvrir où est arrivé notre gentil monsieur Ignition. Puis bon, je vous souhaite une bonne fin de spectacle. Je ne sais pas où je suis. Écoute-moi bien. Il pourrait nous être utile pour ce soir. Pendant que je surveille d'un côté, lui surveille de l'autre, et ça nous assure un maximum de protection. Ouais, bonne idée. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Comment ça? Je suis perdu. C'est très simple. Ce soir, on doit aller aider un ami. C'est une sorte de magicien, tu vois. Il fait des tours de dingue, même les aveugles retrouvent la vue grâce à lui. Mais bon. Ce soir, il a besoin d'un peu d'aide, donc il a fait appel à ses deux amis de France, ici présents. Il a appelé son nouveau tour. Résurrection. Oh, mais non! Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller récupérer ce soir dans une voiture. Bien sûr, on a accepté de l'aider par pure charité. Oui, tout à fait. Enfin, les quelques tours qu'il a promis de nous apprendre, si on l'aidait, on peut-être peser dans la balance. Mais c'est pas trop le sujet. T'es chaud à l'étranger? Oh, j'y crois pas. Au lieu de revenir seulement quelques jours en arrière, je suis carrément revenu en l'an zéro. Oh, je vais rencontrer Jésus. Oh, quel honneur. Avec grand plaisir, bien sûr. Parfait. Alors accompagnez-nous. On doit encore régler quelques petits détails avant notre intervention ce soir. Entendu. C'était une véritable réussite. Ah, je suis sûr que dans 2000 ans, on s'en souviendra encore. Tu ne crois pas si bien dire. De rien. On l'a fait avec plaisir, mais maintenant, allons à l'essentiel. Montre-nous ce fameux tour. Bien sûr. Soyez très attentifs. C'est compliqué et ça va vite. Oh mon Dieu. Oh, d'où Jésus. Maintenant, c'est à votre tour. Voyons voir si vous avez été de bons élèves. Allez, attention. Alors je prends l'eau. Doucement. Oui, oh, félicitations. Oh, ah, moi. Vas-y. Oh, ça marche. Excellent. Ça marche. Allez, avec la bouteille. Ah, bah, vas-y, étranger. Doucement. Ni trop peu. Ni pas assez. Oh,
mais c'est magnifique. Oui, bravo. Excusez-moi, oui. Vous qui faites des miracles, auriez-vous à tout hasard une technique qui permet d'obtenir des cheveux aussi beaux et longs que les vôtres? Mais vous, ça a toujours été mon rêve et les miens sont partis trop vite. Bien sûr, mon enfant, venez ici. Par la grâce de Dieu, que ce crâne chauve et dégarni soit bientôt recouvert par la forêt d'Amazonie. Patientez quelques jours et vos cheveux seront là. Merci, merci beaucoup, merci. Plaît-il ? Vous voilà, monsieur le recteur. On vous cherchait partout. Mais que faites-vous là ? Ben, vous savez, il donne encore le collège maintenant. Ah, ça non, ah, je reste ici. Et puis franchement, vous l'avez vu qu'il est rencontré ? Ah non, franchement, non, je suis vraiment désolé, mais je ne veux pas rentrer. Mais c'est Jésus ? Hein ? Ah non, 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 il y a une affreuse confusion. Non. Jésus, c'est l'oncle du cousin de la sœur de la tante de mon frère. Non, moi je suis Jésus Christus. Mais j'admets que la confusion est souvent faite, on se ressemble beaucoup. Bref, monsieur le recteur, vous devez rentrer. Vous avez un collège à diriger, et puis nous on a besoin de vous. Et imaginez si madame est rare de vous dictatrice du collège. Déjà que Rome, c'était la cata. Bon, enfin bref, vous n'appartenez pas à cette époque. Il est temps de rentrer. Non, ma décision est prise, je reste. N'y pensez même pas. Allez, on y va. Non, non, non. Jésus, et que le père de l'homme du cousin de la sœur de mon tante soit avec vous. Sacré Jésus, enfin, Jésus. On n'est pas à une prononciation près, hein. Mais bon, avant de vous présenter notre petit épilogue final, parce que, eh oui, on arrive à la fin de cette non-stop, elles doivent toutes avoir une fin, eh ben, on vous a réservé une dernière surprise. Et comme on a vu que ce matin vous étiez bien enjaillé sur Cacao Crime, on s'est dit, eh, pourquoi pas les faire revenir pour l'après-midi, une dernière petite surprise pour leur faire plaisir. Et bon, comme on dit, jamais 203, et donc cet après-midi, ils ne vont pas vous faire deux chansons, mais trois chansons supplémentaires. Mais c'est fou, salut. Je m'excuse, vous avez l'air absolument pas assez... C'est Cacao Crime, les gars, c'est pas n'importe qui. Alors je veux que vous fassiez un maximum de bruit pour Cacao Crime. On parle de Simon à la basse, on parle de Martin à la batterie, on parle de Zachary à la guitare, Laura au clavier, Benoît au lead. Ils ont pas fait assez de... C'était Benoît? Moi j'étais sûr que c'était Monsieur Inaïcha. Ah mais ils se ressemblent beaucoup, c'est sûrement ils sont cousins, je pense. Bon du coup j'aimerais peut-être un petit peu plus de bruit pour Cacao Crime.
Into that.
plu? Est-ce que vous en voulez encore? Eh ben, il n'y en a pas plus. Mais si vous en avez encore, vous pouvez encore venir ce soir. Ce soir, on fait la deuxième représentation. Juste pour vous rappeler, elle commence à 19h30, mais le Martelet sera ouvert à partir de 19h. Ouais. Mais bon, vous avez vu à partir de 19h ce que ça veut dire. Avant de vous montrer notre petit épilogue final, voir comment tout se passe avec les profs qui viennent de rentrer de leur époque, qu'est-ce qui se passe avec ces élèves, est-ce qu'ils ont leur matu, ils n'ont pas leur matu, qu'est-ce qui se passe. Avant ça, j'aimerais procéder à quelques remerciements de toutes ces personnes qui ont travaillé, œuvré à pouvoir présenter ce spectacle d'un non-stop, même d'un non-stop en général cette année. J'aimerais commencer avec les gens du Martelet qui nous ont aidés, sans qui on ne peut pas faire cette non-stop. Je leur demanderais de faire un tonnerre d'applaudissements à Ivo, Julien, Ouna et Sam. J'aimerais également que vous applaudissiez le comité décor de la non-stop qui a vraiment taffé beaucoup cette année. Il s'est occupé de toute la décoration à l'intérieur du collège. Vous avez vu, il y a des trucs qui se sont pétés. Vraiment, ils se sont donné de la peine pour. C'est vraiment dommage pour eux. Et de tous les décors que vous avez vus derrière nous. Donc vraiment, un gros big up à Eva, Katharina, Audrey et Jennifer. Ce spectacle, il est là grâce à tous les acteurs qui ont participé à cette non-stop. Donc, on a les 5 élèves, Simon Dorsa, Béatrice Heinrich, Victoria Williams et Andréane Pigna. Les différents professeurs, Monsieur Nation avec Benoît Buffet, Madame Erard avec Dunia Wedradago, j'espère que j'ai bien prononcé, Madame Buche avec Mirage Excollet, Monsieur Carrier avec Stéphane Weber, Monsieur Projean avec moi-même, Monsieur Hiro avec Cyril Moulin, il faut pas que j'en oublie, Marc Lay avec Charlie Michelot, qui c'est qu'il y avait d'autres comme professeur aussi, c'est bon? Ah oui, ah bah oui, Jim, merci Jim, j'avais. Ensuite, il restait encore Dolphy Terral, prenez pourquoi on avait un peu censuré. Merci à Oscar Pache pour avoir joué Dolphy Terral, merci à Lucie Marcel pour avoir joué. Malgré tout, mon aventure restera la meilleure. Certes, j'ai raté de peu le Christ Sauveur, mais quand même, j'ai pu rencontrer un de ses proches parents, Jesus Christus. J'espère vous montrer à la hauteur de ses enseignements. Oh, d'ailleurs, il m'a appris un tour de magie extraordinaire. Vous voulez que je vous le montre? Oui. Oui. Vous le voulez aussi? Oui. Pour nous remercier de l'avoir sauvé, il nous a montré comment changer ce doux nectar qu'est de l'eau en quelque chose d'un peu plus divertissant, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, ça va aller comme ça. Et hop! C'est dingue! Oh, du vin! Je l'ai dit! Ouais, moyen avec tout. Personnellement, je ne suis pas très déconquis. Certes, c'est impressionnant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas transformer l'eau en quelque chose qui nous conviendrait mieux? Ouais, c'est ça que vous voulez, là! Et voilà! J'assuse! Ah. Vous les jeunes, ça n'a vraiment aucun goût! Quelle heure est-il, Frau Persil? Je crois que c'est l'heure d'annoncer leur récompense. Eh oui, mais petit lapin, après l'effort, le réconfort. D'ailleurs, le réconfort, ça me connaît plus que l'effort. Et je suis pas le seul. Vous êtes bien battu. On aimerait vous récompenser de nous avoir sauvés. Bon, même si ça ressemblait quand même bien mieux dans leur époque, hein. Audaces fortuna iuvit. La chance sourit à ceux qui ont. Et puisque vous avez osé, pour vous remercier, vous pouvez passer la maturité
les yeux fermés. On vous la donne. Ouais. Qui nous en main, tu, qui nous en main, tu, branchère, branchère. Mais non, mais c'est sérieux. Aïe, 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 sans ça, tu l'aurais jamais eu. Et oui, croix de bois, croix de fer, si on ment, on retombe tous en Suisse allemande. Oh non. Enfin, je suis libre. Ben non, merci beaucoup, on sera entièrement reconnaissant jusqu'à la fin de nos jours. Et d'ailleurs, on a prévu une petite fête. Vous voulez venir? Bon, la question ne se pose même pas, mais bien évidemment, tant qu'on peut s'amuser. Après toutes ces aventures, les élèves et les professeurs ne seront plus jamais les mêmes. Un regard de compassion peut maintenant être perçu entre eux à travers les couloirs du collège. Et ils ont tous compris maintenant, après tous ces événements, que rien ne peut. Le collège de Saint-Maurice. Et c'est ainsi que se terminent toutes nos aventures temporelles, mais que celles du collège ne font que commencer. Just got it tonight. Alive.